Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Supermarket Simulator et donc on va continuer notre petite session. Donc là, dernière, on était à 12 000 et des boîtes. Le carton, je vais le mettre ici. On va tout ranger correctement. Voilà. Donc là, ouais, je suis à 12 218. À savoir qu'on va d'abord réapprovisionner le magasin avant de voir si on achète quelque chose de plus. Parce que je dois acheter des sodas, mais je pense que les sodas, ça va être beaucoup du frigo. Et donc, je vais peut-être devoir investir un nouveau frigo, mais en double. Donc là, je vais regarder. J'ai besoin du sucre. Non. Par contre, j'ai besoin de pâtes, des Kellogg's. J'ai besoin de farine. Peut-être un café. De la farine, là. Et le reste, c'est bon. Ah, ok. Alors, on va regarder ici. Donc, on avait dit des pâtes. Des pâtes, on va prendre deux. Kellogg's. Farine. J'avais dit. Alors, on va regarder après ici. La farine rouge aussi, j'en ai besoin de deux. Voilà. Ici, on a du comté, on a de l'eau, on a des œufs et il me faut du lait. Donc, il me faut. Par contre, je regarde ici. Ouais, j'ai du chocolat. Ouais, ok, d'accord. Je vais regarder ce que j'ai parce que, comme c'était sur la vidéo d'avant, et là, j'en ai deux de ça. Et ça, c'est du thé. Ok, d'accord. Et là, j'ai plus rien. Ok, donc là, il me faut du lait et de l'eau. Du lait, de l'eau, du lait. Ok. Et de l'autre côté, bah, je pense qu'il manque rien. Non, c'est bon. Allez, on peut prendre la commande. 152$. Donc, à savoir que. Oups. Il va falloir que je prenne à peu près bah, 400$ pour acheter des nouveaux produits. Ouais, j'en avais pris deux donc et alors j'aurais peut-être dû le fermer lui hop voilà donc là Chocapic la poubelle elle doit. Pourquoi ça n'a mis pas? Je ne pas que ça n'a pas, moi. Et hop. Donc là, c'est bon. De l'eau. Alors là, c'est toute la rangée du bas. De la rangée du haut. Et on va vérifier les prix parce que je sais qu'il y a de l'eau, je crois qu'il y a. Il y a plein de prix qui ont augmenté. Ah, c'est bon. Le présentoir il est plein. Par contre, je vais juste regarder. Il y a encore des trucs dedans. Donc. Voilà. Donc là, on est bon. On va vérifier les prix vite fait. Donc là, je suis à 2,84 €. Là, 4,58 €. 4,58 $, pardon. 2,07 €, 3,22 €, donc c'est bon. On est bon. Ah. 7,12 €. 35, 5,40 €. Le sel, on a 2, 60. Café, ok. Hop. Qu'il y avait un autre truc qui avait augmenté, mais je me rappelle plus. Avec Xbox. Ben voilà. Ok, on va ouvrir. Allez hop, open. Je vais peut-être reprendre un café, pardon. Là. Café ici. Je suis certain que j'en ai assez. Est-ce que si je le pose, il y en a encore ou pas?
temps en temps, on ne voit pas dans le carton. Donc, on va regarder. J'ai 1000. Gestion. Alors, les produits là, jus d'orange et tout, on a 550. Ça prendrait la moitié de mon budget. Mais j'ai pas le choix. Après, par contre, on a un à deux. Alors, on a le choix entre deux licences. Soit on prend tout ce qui est boisson, soit on prend tout ce qui est gâteau. Je pense prendre tout ce qui est gâteau. Comme ça, au moins, je peux les mettre tout de suite sur des étagères. Et après, on verra. Parce que je pense que ça va vraiment me demander des frigos. Allez, 550. J'ai acheté la licence de produit. Donc là, on est bon. Et on va regarder. Donc, au niveau du marché, voilà. On a les biscuits là, les bonbons, les yaourts qui vont être dans le réfrigérateur. Étagère, étagère. Donc là, on va prendre un de chaque pour voir ce que ça se vend. Voilà. On va faire ça. Hop, acheter et on va essayer. Alors, bonjour, monsieur, madame. Carte bleue. Allez, 50. Toi. Ah, c'est payé. 9 centimes. À 30 centimes. C'est quoi? Y a pas de bonbons. Ben ouais, mais je viens de les acheter. 2,07 €. Y a pas de bonbons. Ben si, des bonbons, ils vont arriver, mais on... Là, j'ai ça que je vais mettre ici. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je vais tout de suite ouais, changer de prix. Tiens, madame, c'est 5,62 € elle, ma carotte. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi de ça? Alors, faire ça. Ah, pour pas qu'elle me roule. 3,92 €. Ah, toi, les bonbons, on va mettre en bas. Vite. Et le dernier, l'avant-dernier. Hop. C'est bien parce que ça fait du stock. Allez, là, je vais 4,20 €. On va commencer à servir les clients, il y en a trop. Alors. En carte bleue, monsieur, 46,23 €. T'as eu tes Kellogg, ça a pris tout le temps. Toi. Pas de yaourt, ok. Je dois en acheter, je sais. 4,14 €. Centimes. Euros 38, 5, 6, 7, 8, 20, 30. Euros. Euros. Ah. Quoi ça fait gâteau? Ouais, j'ai des gâteaux, mais j'ai pas la place. Faudra que je regarde si j'ai un truc pour pouvoir les poser. Et là, pareil, il va falloir que je trouve une place pour les yaourts. €2,30. Après, si on arrive à vendre beaucoup d'eau, on peut laisser peut-être un pour l'eau. Un pour les yaourts, pardon. 13 euros. 13. 10. Ah,
essayer de réorganiser ça à 7,5€. Voilà, là on devrait être bon. Si j'arrive à vendre les deux balsamiques, je pourrais peut-être mettre les gâteaux là. Ou à moins que. Carton que j'arriverai à les. Là, hop. Là. Et là, on a 2,10€. Voilà. Donc là, on est bon. Ici, pareil, on va regarder. Donc, on devrait être pas loin. À 760, 15 centimes. Des gâteaux. J'ai pas de gâteaux. C'est des gâteaux. À moins que c'était des gâteaux que je viens de mettre au sol, je crois. Gâteaux. 17,39€. 7€, 10, 20, 35. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais quand même acheter des yaourts une fois au minimum. Voilà, ici c'est libre. Ah bah voilà, nickel. Profite. Peut les superposer? Même pas. Oh là là, ça. Deux euros. Ok, normalement je suis censé avoir tous les produits là. Un euro. Non. J'ai donné 40 euros à place de 40 centimes. Ah, j'allais avoir une belle perte. 2, 3, 4 euros, 10, 20, 30, 40, 5, 6. Pack de scellés? Bah, j'ai pas de scellés. Oh. Ah non. Pas de scellés. Ici, bon, on a de l'eau. De l'eau, je croyais que j'en avais encore ici. Bon, on va faire la réappro. Allez, hop. On va faire fin de la journée. Donc, on est à 14 produits manquants, par contre. Thé noir et les spaghettis. Donc là, on va regarder. Spaghettis, on est à 3,28. C'est bon. Non, c'est là. Spaghettis. Ouais. 6,87. Et le thé noir. 4,96. Alors, le lait que j'ai vendu. Ouais. Ah, je crois qu'il est plus il est vide, non? On va le remettre ici. Ah, et là. Voilà. Donc, ici, les yaourts, on est plein. Le pain, je suis plein. La farine, je suis plein. Là, on est bon. Les pâtes, un peu. Les pâtes, on est bon. Manque du café par contre, le café je crois que j'avais tout utilisé. Là, ouais, ça c'était pour là. Ok. On peut pas au bon endroit. Ça c'est le thé. Ok, d'accord. D'accord. C'est bon. Et là on a des riz et le riz je peux peut-être le mettre là. 2, 3, voilà, ça fait déjà un carton en moins. Et là on est bon. Donc en vérité, j'avais une place là, c'était quoi? Quelque chose, j'avais mis, je sais plus. Si, si, j'ai dû mettre quelque chose là, je ne me rappelle plus c'était quoi, j'ai regardé sur mon étagère, j'ai dû les vendre. Non? Si, c'est ça. Crois que ça. Ça qui allait là, je crois. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'était ça. Voilà. Regardez.
Ouais, barre de chocolat. Ok, d'accord. Donc ça, c'est bon. Là, on est bon. Là, on est... J'en ai vendu. Là, on est bon. Ok, on est à 908. 908, pour l'instant, on n'a pas d'achat à faire. On n'a pas d'agrandissement, parce que franchement, les agrandissements, on n'a pas trop besoin d'agrandir pour le moment. Les nouveaux produits sont ici. Là, c'est les nouveaux produits. Ok, d'accord. Et par contre, le pain, je peux en remettre. Où, le pain? Voilà, ça fait déjà un carton. Ici, qu'est-ce qu'on va regarder? La farine rouge. Et présentoir est plein. Mais j'en ai encore dedans, moi. Le problème, c'est que j'ai peur. Si je le jette, ça va peut-être aller à la poubelle direct. Et là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là. Oh, on va le ranger. Ok, bon, bah, on va rouvrir tout de suite. On est histoire de vendre. Si j'ai oublié, c'est un café. Je sais que le café, j'en vends pas mal. Le thé, j'en ai beaucoup, mais le café, ça. Voilà, comme ça, on a. Je vois pas si c'est rien. Hein. Pas dire des bêtises. Si c'est café torréfié. Donc là, au niveau des fournitures, l'étagère, ok, mais je pense qu'en réalité, je vais investir ça. Ça. Des doubles frigos. Allez, on va acheter. Est-ce que si je prends lui, je le mets là. Ouais, je te prends, je te mets là. On va essayer de mettre les doubles frigos. Let's go. Hop, voilà. On va mettre le double frigo ici. Bien vu. Alors, on va mettre quelques yaourts. En attendant, c'est du frais, donc on va profiter. Donc, à savoir qu'il me faut deux étagères pour ça. Là. Ici, on n'a rien en frais à mettre dans le frigo. Non. Non, ça, c'est les pâtes. Le lait. Profiter. Hein. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est du lait. Let's go. Voilà. Donc là, il faudra qu'on met 550 de côté pour pouvoir acheter la nouvelle licence dans la prochaine vidéo. Si on arrive à avoir les 550. Déjà, j'ai un double frigo. C'est déjà bien. Alors, c'est plus intéressant quand même d'acheter le double frigo parce qu'on gagne, on est à 375. Un frigo, c'est 200 déjà. Un gagnant. Pas de énorme, on est gagnant. 1, 2, 74. Alors, 10, 50, 60. Alors, on va pouvoir aussi prendre un caissier. Et pour le moment, je vois pas trop l'intérêt d'en prendre un maintenant puisque mon magasin, je peux gérer les deux. On va sûrement le faire après, mais pas pour le moment. Faudra qu'on agrandit le magasin, que j'ai plus de réapprovisionnement à faire peut-être. Ok, là, pas de monnaie. Oh purée, 4,81 €. Ah, donc là c'est bon, hop, 87. Bah, tu l'auras quand j'aurai pu l'acheter. Soda aussi.
11h34. Profiter, on va mettre en place. Ah, voilà. Toi, tu repars là. Et des fonds de carton. Le thé, il est plein. En fait. Bizarre parce que la dernière fois, on en a acheté, non? J'ai vu qu'ils en avaient acheté, mais. Tu as pris des bons. 4,76 €. Avec ma monnaie 20 centimes. J'avais oublié de lui rendre un centime. 35,48. Oh, les Kellogg's là. Ouais, je reprends un carton de Kellogg's, de l'huile. Il est en haut. En liquide. Alors, 10, 13. S 92. 5. Il me restait un seul produit. Okay. On va attendre, hein. Ça n'est pas de pareil. J'attends après des pâtes alors qu'il y en a plein à côté. C'est par carte bleue 31,40. Ah purée, j'ai oublié la virgule. Ouais, ça aurait fait cher hein, quand même. 3140. On va acheter les nouveaux produits après. Non. Non, non. On va gagner un maximum d'argent. On achètera les produits dans le prochain. 51. 96. On va faire dans la prochaine vidéo. 31. On va mettre de l'argent de côté à fond. Ah, c'est que des paiements par carte. Non. En réalité, il y a des moments, ça me met pas là. Heureusement, hein, sinon je prendrais des 2 000 € aux gens. Mais pardon. Non, c'est juste que. J'appuie pas bien sur la. Alors, quand je vais faire ma fin de journée. Ouais, bon, on va faire ça là. Hop. Quand je vais faire ma fin de journée. Il faut que je regarde qu'est-ce qui va baisser en fait. Qu'est-ce qui va monter. Let's go, on fait la fin de journée. Donc là, 9 produits que j'ai pas pu vendre, on a 1046.
Alors, le lait a augmenté et les pâtes. Alors, le lait a augmenté et les pâtes. Alors, le lait, il est à 3,30. Et les pâtes. Alors, ça, là, c'est les pâtes. Parce que sinon, il dit pâtes longues. 3,93. Voilà. Donc, on va racheter. Hein. On va racheter ce qu'on a besoin. Donc, je vais racheter de l'eau. Je vais racheter des œufs. Alors, on va essayer. L'eau, il part très vite. Donc, on va essayer de mettre de l'eau ici. Je vais récupérer ici. Attends, j'aurais peut-être dû récupérer les. Là pour là, là pour là. On va essayer de s'amuser avec des cartons pour voir. Donc là, on va regarder ce que j'ai besoin. Je vais revenir à zéro parce que je sais que j'ai mis. Donc là, le sucre, j'en ai pas besoin. Non, j'ai besoin de un pâte, un chocapic, un pâte de chocapic de huile. Alors, un chocapic, deux pâtes et deux huiles. Ok, donc là on est bon. Là, il me faut café. Donc, bon, on va prendre deux cafés. Alors, du pain, il m'en faudrait un. Ah, on est split. Il faudrait un sel. Voilà, et on va prendre un Kellogg's là. Voilà. Let's go. Donc là, déjà, on a nos 10. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Il faudrait un bonbon, un comme ça. Okay. Donc, il faudrait un bonbon et un comme ça. Comme ça. Chocolat, j'en prends un quand même. Ah, ça, j'en prends un quand même aussi. Les pâtes en haut, il m'en faut. Et de l'huile d'olive. Pâtes d'olive. Et ça devrait être bon. Ouais, après, on avait dit que si j'ai besoin. On a 7. Donc, j'ai besoin de fromage, j'en ai encore. Donc, là, il faut quasi. Bon, on va prendre que là. Hop. Voilà. Et là, on va faire un frais. Donc, là, sur le frais, il faudrait. Allez, deux comme ça. Il faudrait deux laits, deux œufs, deux comme ça, deux comme ça. Voilà. Ouais, je sais que j'ai tout. C'est bon. Grosse livraison de carton. Hein. Vraiment une grosse livraison de carton. Voilà. Comme j'ai dit, les bouteilles d'eau, on va les mettre là. Hein. Alors, est-ce que j'en avais là? Ouais, franchement, je te mets. Hein. J'en ai une d'autre part, non. Là, je peux pas prendre. Ça, je peux pas prendre parce que le carton n'est pas adapté. Donc les bouteilles de lait, ben, on va pouvoir laisser au même endroit. Voilà. Les bouteilles de lait, on est bon. Les œufs. Les œufs. J'aimerais bien les remettre là. Au moins on a la bonne taille de carton. Hein, c'est quoi ça, les pâtes? Voilà. Donc les pâtes, bon, on va les mettre ici. Hein. Les nouvelles Kellogg's. Ah, un peu pareil. On va les ranger. Voilà. Le pain. Hop, ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est ça. J'ai cru que j'en avais besoin que d'un seul. Hop, hein? Et d'eau, bon, on va remettre. Au capic. Alors, je sais pas s'ils vont mettre quelqu'un qui va mettre à notre place dans les frigos, je pense pas en vrai. Voilà, c'est bien comme ça. Encore. Là, j'ai tout mis. Alors, les pâtes. Là, donc là, on peut les remettre ici aussi.
Ah bah je vais le laisser là. Donc j'en ai pris un d'avance. C'est quoi ça, les œufs? Voilà. Là on a un bon stock là. Pile. Les bonbons. Alors les bonbons, bah j'allais les mettre là mais non. Là, on est full yaourt. Hein? Alors, le pire, c'est que j'ai acheté le frigo pour mettre des boissons. Mais je pense que là, j'ai tellement fait un gros stock que je vais pouvoir mettre deux boissons par la suite dans ce frigo-là en attendant. En attendant, je le remplis en tout. Faut que je vends. Il y a de la place pour le compter. Ouais, c'est bon. Après, il y a quoi là? Ah, ça, c'est les gâteaux là. Ah, je crois que ça, on peut en mettre par-dessus. Alors, ah, trop, bien sûr, mais. Les yaourts rouges, j'en ai pris beaucoup trop. Les yaourts, un gros stock là. Fait. Alors là, la seule chose qu'ils pourront me dire, c'est qu'ils n'ont pas des boissons que truc, parce que là, sinon, il y a vraiment tout. Bon, j'ai rempli. Voilà, donc on va ouvrir. Hein. J'ai déjà modifié les prix. Donc là, on a un petit stock quand même et on a le magasin qui est bien plein. Par contre, je vais payer mes factures parce qu'en réalité, je pense que j'ai oublié de payer mes factures. Facture, ouais, voilà. Voilà, au moins c'est payé. L'agrandissement, encore 4x4, c'est 750. Et si je veux embaucher une personne ici directement. Faut mon magasin niveau 10. Bon, c'est bon. Alors, salaire quotidien, c'est 80. Coût de l'embauche. 80 aussi, je crois, ou 30. Non, je crois que c'est 30 euros pour l'embauche et 80. Non, on dirait que c'est 80-80. Non, c'est 80-80. Donc, j'ai l'impression que ça faisait un petit trop, mais non, c'est 80-80. Le stockage, c'est après. Et ça, c'est après. Ah, il y a déjà des achats. Bonjour madame. Alors, 9 thèses. Un seul fromage? Alors, tu voulais de la modèle, toi? Pense qu'elle est venue chercher un fromage juste pour avoir de la monnaie. Attendre qu'ils servent. J'ai eu un point en moins parce que bah, j'avais pas ce qu'il fallait. À mon avis, il cherchait des sodas. Hein. Alors, bon client, monsieur, un petit yaourt, deux yaourts. 4,10 €. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Monsieur, comment allez-vous? Hein? Monsieur, comment allez-vous? Un pas calculé. Allez. Oh, toi. Oh, toi, tu voulais de la monnaie, toi.
96, voilà. 16, 70. La prochaine fois, je donne plus ma monnaie. Hein. Ah, mon fonds de caisse est parti. Là. 30, 73. Voilà. Les Chocapic, ils sont déjà partis. Il n'y en avait plus? Ah, je crois que j'avais tout mis, les Chocapic. Chocapic, je vais en racheter. Et apparemment, ça part vite, les Chocapic. Pas pour acheter. Tout juste, ça fait un carton nickel. €8. 5, 7, 1, 2, 3. 3,9 €. Bon. 2, 5, 6. 68 centimes. 30, 65, 6. 33,29 €. 3,29 €. Pas de monnaie. 5,40 €. 40. Il n'y avait pas de monnaie à rendre. Il m'a mis point 1, mais il n'y avait pas de monnaie à rendre. Hein. Un truc. Et il manque quelque chose là en bas. Les bonbons. Faut que je rachète un paquet carton de bonbons. On va dire, y a pas de bonbons. Ah, moi, j'arrive à mettre le carton complet. Allumer la lumière. 4,90 €. Là-bas, j'avais pas un truc avec du riz. Si, je sais. Ah, j'avais des bonbons. Hein. Je sais plus si j'avais pas du riz. What? Non, je peux que bazar. Hein. C'est bien la façon qu'on les pose, mais. C'est chiant parce qu'on voit pas ce qu'il me reste. Et on peut pas dire que c'est pour la monnaie. 26. 16. 5. 7. 72. 31. Et donc là, 10,36 €.
Ok, donc là on va attendre, et après on va revérifier ce qu'on a dans nos cartons. Donc on est remonté à 600 hein, quand même. 2,10 €. Tu payes des frais bancaires hein, sur 2,10 €. Voilà, 8 centimes, madame. Ok, donc là c'est terminé, notre journée elle est finie. Bon, il manquait des produits bien sûr. Alors, pépite. 3,90 €. Voilà, donc là on est bon. Alors, on va refaire un truc. Les bonbons, je suis à fond. Ok, d'accord. La plaque de chocolat, non. Hein? Voilà, là j'ai mis là. Ah, pas si j'en ai encore là. Il n'y en a plus. Alors, du thé. Non. Ah, j'arrive plus à en mettre, donc j'en ai plus aussi. Du café. Go. Alors, est-ce que j'en ai encore dedans? Ah, ça me donne pas d'indice par contre quand le carton est vide. Est-ce que je peux remettre un peu de yaourt là? Voilà, au moins c'est fait. Pépite. Ah. Les pâtes. Donc là, les deux pattes, on peut laisser comme ça. De l'huile. C'est bon, le carton est vide. Quoi ça, le pain. Il m'en reste un dedans, je crois. Ah ouais, je qui était pas plein. Chocolat, je suis à fond. Ouais, là, ça c'est bon. Alors, on va vérifier. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Il manque quelque chose là. C'est quoi qui manque? Vérifier, mais il manque un truc. Ah, le riz. Le riz. Je pense que je sais à peu près où je mets. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là, c'était des œufs. Donc c'est bon. Là, c'est bon. Et les bouteilles d'eau, c'est bon. Allez, on peut rouvrir tout de suite. On va faire notre dernière journée d'ouverture. On va essayer de vendre un maximum. Et au prochain, eh ben, on va essayer de. Faudra que je vois par rapport au soda, mais bon, il faut que je regarde parce que là je prends trop de place. Après, il faut que je vende beaucoup, donc c'est normal que j'ai mis beaucoup d'eau, beaucoup d'œufs et tout. Après, je pense que pour les yaourts, ben pareil, on fera deux étagères ou une étagère pour les yaourts et je regarderai au fur et à mesure. Là, j'ai une étagère de vide parce que là, il me faut quoi? Il me faut 6 nouveaux produits, je crois. Je vais avoir produits, non, c'est là, pardon, hop, gestion, licence. Jus d'orange, du soda, ketchup pop, pack de lait et soda. Voilà, on va être sur du full frigidaire. Hein. On va être vraiment sur que du frigo. Problème, c'est que voilà, un frigo, c'est 400 balles là, 200 balles pour un petit comme ça. Donc, il y a peut-être moyen si j'arrive à vendre beaucoup. 4,80 €.
Ok, quoi? Produit. Nettoyeur. Ouais, bah, tu peux demander des trucs que j'ai pas. Okay. C'est vrai qu'on galère un petit peu à monter le niveau du magasin. Il y a deux ans, je prends 5, mais je perds 1 parce qu'il me demande quelque chose. Soixante-deux, voilà, il manque du papier toilette. Ah ouais, c'est la base. 28, 76. Papier toilette. Et j'ai pas encore. Hein. Pas encore le papier toilette. Alors, 3,80 €. Alors, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 42, 30, 17. Pas trop. Ok, 15,58 €. De quoi? La vaisselle. Zéro trois et on est à 946, donc ça fera 550. Regarde si j'ai peut-être racheté un frigo quand même. On verra bien si j'arriverai peut-être à racheter un frigo pour mettre ici. Étagère, de toute façon, si j'en rachète, je vais les mettre là. Je laisserai juste une place. Là, carte bleue, 28,90 €. Là, 24,36 €. Et là, hein, cœur. J'avais des facteurs. Ouais. Et tout de suite, comme ça, je trouve. Là, je suis là. Ah, c'est quoi qui manquait là? Des gâteaux, des gâteaux. Peut-être
Combien j'ai dit? 49. Poser. Bon. Voilà. 8,10 €. Ah, il manque des produits là. C'est quoi chez chocolat, je crois. Alors quoi, 15,34. Oh, je peux pas racheter. Je peux pas racheter parce que bah, c'est la fin de journée. Ok, il faudra que je regarde ce que j'ai mis là. En nouveau, je m'en rappelle plus, mais c'est là, j'avais mis ça. Ouais. Ça, je vais les laisser là. Le riz, c'est bon. Les pâtes. Il ne restait qu'un seul pour les pâtes là. Et là, c'est quoi ça? Le pain. Et hop, enlève les cartons, les pâtes. Hop. Ah, ça, ça. Ok, voilà. Donc, quoi, ok, là. Quoi. On va laisser comme ça. Attends, pour la prochaine vidéo, je vais quand même remettre ce que j'avais besoin. Quoi que c'était. Non. Quoi j'avais là, je m'en rappelle. Un doute sur son produit. Je m'en rappelle plus. Sel. Ça, je les ai. Ça, je les ai. Et ça. C'était la farine. Ah, c'était la farine rouge. Il faudra que j'achète. Bon, je les ai mis. Là, c'est les deux farines rouges qu'on avait mis. Donc, voilà. On va arrêter la vidéo pour ici. On fera dans une prochaine vidéo. On va acheter directement tout ce qui est soda. Des nouveaux produits. On verra si je dois racheter aussi un frigo. Le problème, c'est que c'est 400, 550 qu'à 1068. Donc, parce que je vais rouvrir une journée pour pouvoir remettre de l'argent. Ça, on verra bien. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager tout le jeu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.